J'interviens par rapport au cancer de ma petite sœur, collègue Lady Ponce. Personnellement, je n'étais pas dans la salle. J'ai suivi quelques interventions musicales, sur Internet. Moi, je trouve que Lady Ponce, elle a une tellement belle voix, elle chante bien. Peut-être que ce que je vais dire, ça va déranger, mais je suis obligé de dire la vérité. Je le dis en tant que professionnel musical, professionnel de musique. J'ai écouté. En fait, moi, je trouve qu'il y avait plus d'ambiance que la musique. Nous voulons aujourd'hui, comment dirais-je, nous voulons aujourd'hui la musique qui représente valablement le Cameroun à travers le monde. En dehors de quelques crashs que j'ai eu avec Richard Bona, quand j'écoute ce monsieur de la musique jouer, je suis fier d'être Camerounais. Je suis souvent à ses concerts, je suis souvent ses lives, cela veut dire ses spectacles en live, on sent vraiment la musique. C'est pas l'ambiance. C'est ce que moi, Belka Toby, j'attendais personnellement pour le concert de Lady Ponce. Je trouve qu'il y avait plus d'ambiance que de la musique. Ça va faire mal, mais je pense que il faut quand même qu'il y ait les gens qui représentent cette musique camerounaise à l'étranger qui interviennent. Je ne veux pas me définir en tant que professeur de musique, mais je pense qu'il y avait plus de tapage que de la musique. Moi, personnellement, je crois que s'il y a Olympia ou Zénith, qu'on essaie un peu d'enlever l'ambiance, qu'on parle de la musique, qu'on sent vraiment la musique qui sonne. Je prends les artistes comme notre tonton qui est parti, Manu Dibango, quand il jouait, on écoutait de la musique. Vraiment de la musique. Des notes. C'est pas le tantam qu'on écoutait. Mais le concert de Lady Ponce, j'ai suivi plus d'ambiance, plus de tantam que de la musique. Donc, prochainement, s'il y a Zénith ou Olympia, s'il y a un artiste qui représente la musique camerounaise à l'étranger, je pense que c'est ce que les professionnels de la musique devaient attendre, donc la vraie musique. Pas tellement l'ambiance. Mais les gens, j'entendais des cris, oui, des cris bien, mais au fond, ceux qui accompagnaient vraiment Lady Ponce, qui a une très belle voix, il a manqué quelque chose. Je sais que ça va faire mal, on va se dire que, mais lui là, il se prend pour qui? Mais avec le temps, ou si vous entrez sur Internet, sur YouTube, ou sur Facebook, vous allez écouter. Parce que il faut que si un artiste camerounais joue à l'Olympia, qu'on sente vraiment une musique qui représente le drapeau vert au jaune. Mais déjà, c'est bien, c'est pas mal. Ça. Je dis bien, c'est pas mal, ça fait partie de. Ça fait parler du Cameroun. Mais je pense que prochainement, il faudrait qu'il y ait
de la musique. Parce que quand j'écoute des gars comme les Richard Bonan, les Manu Dibango, les Bendeka, pour ne que citer ceux-là, on écoute de la musique. Mais je dis, cette fois-ci, il y avait plus d'ambiance que de la musique professionnelle. Pardonnez-moi si je parle mal, mais je parle en tant que professionnel de la musique. Bravo déjà pour ma petite sœur, Lady Ponce. Elle chante hyper bien. Et je pense que prochainement, le Cameroun, avec l'Olympia ou Zénith, on va écouter de la musique. Pas de l'ambiance, pas de tapage. Je dis bien, Lady Ponce chante bien, mais il a manqué quelque chose. Il a manqué quelque chose. Ce qu'on attendait, ce que moi personnellement j'attendais, une musique instructive. J'attendais une musique instructive. Donc, s'il faut dire que... Je ne sais pas si c'est un coup de gueule, mais c'est ma façon de voir les choses. Et je vais revenir prochainement. Sinon, je lui tire chapeau. Bye.